Bonsoir, bonsoir, bonsoir. 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 Alléluia. Alléluia. J'entends, Alléluia. J'entends gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Jésus, notre libérateur. À l'Esprit Saint, notre consolateur. J'entends gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Jésus, notre libérateur. À l'Esprit Saint, notre consolateur. Shalom. Shalom, Maman Betty. Shalom, shalom. Nous partageons. Alors, nous faisons comme nous avons l'habitude de faire. Continuons de partager. Alors, pardon. Pardon, j'ai fait du bruit. Pardon, excusez-moi. Nous partageons l'émission. Voilà. Je vois qu'il y a, déjà quatre personnes, mais je ne sais pas voir qui. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Manifestez-vous, qu'on puisse vous dire bonjour. Comment ça? Tu es dans... Ah, ok, d'accord. Mais là aussi, tu partages parce que... Ouais, mais j'ai déjà mis, c'est bon, ça passe. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Maman Bénédicte Leka Eluki, Maman Dina de nous.
Bonsoir chez toi, bonsoir à l'homme de Dieu, le prophète Otis. Bonsoir à la Meshad. Bonsoir à toute la famille. Je vous remets encore la musique. Encore un bout de musique, après nous allons commencer. Shalom, shalom, shalom. Ce soir, c'est la causerie morale. Oui, ce soir, c'est la causerie morale. La causerie morale, ce soir. Je suis en train d'envoyer. C'est la causerie morale. Oh, bonsoir, pasteur Yves. Bonsoir, papa. Que Dieu te bénisse. Maman Cécilia Diamlux, que Dieu te bénisse. Oh, Seigneur, soyez. Shalom, shalom chez toi et bonsoir à tous les Luxembourgeois. Au Grand-Duché de Luxembourg, nous saluons tous les bien-aimés qui peuvent nous suivre. Les amis de Maman Cécilia, les connaissances, la famille. Nous saluons la mission évangélique Chambre Haute. À Genève. Nous saluons. Merci beaucoup, pasteur Yves. Merci, vraiment, ça fait chaud au cœur de savoir que tu es avec nous. Je savais que depuis un moment, tu réclamais aussi. Alors, on a dit, on ne va pas déroger à la règle. Bonsoir, notre fils Nathan Rufino. Natos, Nat. Hein, le soliste du moment, hein, l'incontournable, ah, Rufino, Rufino. Je suis en train de, excusez-moi, je suis en train de partager en attendant qu'on commence. Tu es en train de faire ton humilité. Exactement. Ah là 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 là. Partager, invité. Nathan, partage, appelle les marines. Appelle les marines. On va discuter. Oh, ma famille, Mouaka, Analdi Zephyr et maman Elila. Maman. Oh, bonjour, maman. Mais pourquoi ici, on ne voit pas? Comment ça se fait? Oh, parce que ici, c'est fait comme ça, c'est un moniteur. Ah, oh, tu maman. As fait Oui, oui. Ah, okay. Bonjour, maman. Oh là là, maman. Ma Béatrice et Coco Wanja. Bonjour, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maman Marino. Partageons. Bon, je crois que je vais arrêter là parce que. Ah, ma famille, dans le Val d'Oise. À Senlis, là-bas, à Paris, en région parisienne. Bonsoir, Déborah Brinch-Massoua, la Vanchy, Poudi, hein? Des bichous, des bossous, Nyonsoyo Kaka. Déborah Brinch. Ah, c'est bien ça. Déborah Brinch, vous gagnez, Kaka? Vous gagnez, hein? Le but au gagner, c'est quoi? Celui qui veut contredire n'a qu'à contredire, mais n'a le but au gagner, quoi. Déborah a gagné là. Et maman Gina Kala, la prophétesse, bonsoir. Bonsoir. Mais je te vois aussi dans l'écran. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je sais qu'il y a des gens qui ont posé des questions. En tout cas, j'ai dit, je ne réponds pas. On va partager, on va discuter. N'est-ce pas?
Invitons, partageons. Je suis en train de partager encore là. Bon, en tout cas, on va pas déroger à la règle. Dans 2 minutes, on commence. Carrément, quoi. Dans 2 minutes, on commence. La filleule en question. La filleule en or. Maman Marie Adélaïde Djenga. Moutete la yanti. Ah, bakoloba, bakolembe di. On est ensemble. Bonsoir chez toi, bonsoir maman Marie. Maman Marie, salané tout ça la gâte. Tu invites, tu partages. Ça va? Quand la chanson finit, on commence. Voilà, voilà, le cantique est terminé et nous allons pouvoir commencer. Bon, je continuerai à saluer ceux que je veux voir en direct là. Quand j'enlève les lunettes, c'est bizarre, j'arrive pas à lire. L'âge, c'est un problème. Hein. Bon, assumons seulement. Voilà, bien-aimés, nous vous saluons ce soir encore dans le précieux nom, dans le glorieux nom, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et toi, tu es... Je suis comment? Décalée? Un peu. Attends, je te fais de la place parce que... Tu risques de raconter des choses contre moi. Elle est là, Maman Shina. Bon, voilà, nous sommes là ce soir. C'est la reprise de la causerie morale. La causerie morale, notre concept d'échange et de partage. Vraiment, nous faisons ce direct ce soir par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Et nous nous retrouvons avec vous autour de ce direct. Par la grâce et au nom du Seigneur Jésus. Nous vous aimons, et parce que nous sommes convaincus que vous nous aimez aussi. Vous nous en avez donné des preuves, et nous sommes là pour partager, pour nous édifier, pour échanger. Et le thème de ce soir, j'ai longtemps hésité avant de soumettre ce thème. Mais finalement, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que je peux mettre ce thème-là? Parce que je sens que c'est un peu chaud. Comment aider spirituellement une fratrie issue de plusieurs lits? Ah, d'accord. D'accord. Maman Cécilia, d'accord. Bon. Je ne me plains pas de porter les lunettes, je les porte quand même. Et puis, quelqu'un m'a dit l'autre fois chez l'opticien que non, ça me rend beau, mes lunettes. Heureusement, tu n'étais pas là, c'était une dame. C'est pas grave, hein? Elle n'a pas menti. Ah, ok, c'est bon. D'accord. Elle a dit la vérité. Elle a dit la vérité. Si. La vérité qui sort de la bouche des enfants. Exactement. Ah, c'est bien. Voilà, nous parlons ce soir de... Comment aider spirituellement? Je dis bien comment aider spirituellement. Spirituellement. Je ne dis pas juger ou influencer, mais je dis comment aider spirituellement une fratrie issue de plusieurs lits. Issue de plusieurs lits. C'est-à-dire qui provient de plusieurs lits. Je n'ai pas voulu... Bonsoir, Maman Cathy. Ah, comment ça va, Maman Cathy Solio? Ah, Coco. Hein? Bienvenue au club de Coco.
Ah, merci, maman Cécilia. Maman Cécilia me dit, je suis toujours. Mais bien sûr. Salut, maman Grace Linda Kwanzambi. Voilà. Maman Betty, elle est déjà là? Maman Betty Okito. Si, si. La première de la classe. Ok, d'accord. Elle, je mets seulement, elle est là. Ah, si, si. Donc, à travers maman Betty, nous saluons aussi toute l'assemblée, la grande famille de Pogoche. Et voilà. Donc, je disais que la fratrie issue de plusieurs lits, j'ai refusé de dire un mot tout simple, la polygamie. C'est ça, la fratrie issue de plusieurs lits. Les gens ont posé la question, comment aider spirituellement les enfants issus de la polygamie, les frères et sœurs issus de la polygamie? Shalom, Tatiana Kelly. Oh, shalom, shalom. Ça va? Ah, maman Tatiana, ça fait un bail, comme on dit chez nous. Ça fait un bail. Déborah m'assoit, tu vois. Donc, une fratrie, c'est-à-dire un ensemble de frères et sœurs, issus de plusieurs lits, c'est-à-dire nés de plusieurs mamans. Voilà. Ça peut aussi aller dans le sens de frères et sœurs nés d'une même maman, mais de plusieurs papas. Exactement. Mais ça, ce n'est pas la polygamie. Ce n'est pas la polygamie, parce que la polygamie est assimilée à un homme qui a des enfants. maman Marie, ne commence pas. Tu veux dire que tu n'avais pas compris? Toi, tu avais compris. Fratrie, fraternelle, hein, les frères, la fraternité, la bien fratrie. Partagez, partageons. Oui, ça fait trop longtemps, ma chérie. Oui, donc, je disais comment aider une fratrie, aider spirituellement. Spirituellement. Une fratrie issue de plusieurs lits. Je disais tout à l'heure que la polygamie, elle est plus assimilé à l'homme. Oui. Un homme qui a plusieurs femmes. Yeah. On dit qu'il est polygame. Oui. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. C'est plus fort que moi. Il n'y a pas de souci. C'était quoi? C'est une petite tâche. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Par contre, une femme qui vit avec plusieurs hommes et qui pense que c'est légal, on appelle ça la polyandrie. Polygamie, polyandrie. Polyandrie. Mais maintenant, la polyandrie là est seulement très assimilée à la prostitution. C'est comme ça qu'on dit ça. Une femme qui sort avec plusieurs hommes ou pas qui a mis au monde avec plusieurs hommes. Non. Voilà. Il y a une nuance. Voilà. Pas voilà. Une femme qui a eu des enfants avec plusieurs hommes. Dans ces cas-là, c'est quoi? Non, c'est une femme qui a eu des enfants avec plusieurs hommes. Mais une femme qui vit maritalement avec plusieurs hommes. Donc, ça, qui vit maritalement, c'est-à-dire qui vit en même temps. Oui. Mais donc, voilà. Non, vivre en même temps dont je parle là, c'est-à-dire de façon officielle. De façon officielle. Donc, la mère, elle est là. Et avec là, 3 petits, 4, 5 hommes là. Et pourquoi tu dis petit? Parce que quand ils viennent, les ceux qui viennent comme ça, c'est plus des petits, hein. Faut faire attention, là, il n'y a plus de petits nains. Ah, Seigneur. Oh, polyandrie, on appelle ça polyandrie. Polyandrie. Bon, mais maintenant, on parle beaucoup plus de polygamie parce que quand tu es dans la polyandrie, on te traite de paix. Ah. Et puis, ça part dans tous les sens. Ça part en cacahuète. Ah. Bon, maintenant, nous, étant issus de la culture bantoue. Oui. C'est la fratrie des polygamies. Ou la polyandrie, ou de plusieurs lits. Maman Cécilia ne rentre pas dans ce jeu-là. Pardon. Je t'aime trop, toi. Pardon. Patou Iloumbe. Oui, justement, pourquoi elle dit petit? Oh, une mère qui a des petits. Quel petit? Il n'y a pas de petit. Quand on est déjà à l'âge d'être avec une femme, là, on n'est plus petit. Oui, pardonnez-moi. Je retire ce que j'ai dit. Donc, mais si... Bon, maintenant, revenons un peu au sérieux. Oui. Vous savez pourquoi
j'ai proposé ce thème, c'est parce que j'ai été témoin de plusieurs conflits, de plusieurs différends qui opposent les fils et filles d'un même père. D'un même père. Au point où ces gens-là se haïssent. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont nés de même père et de même mère qui se haïssent. Mais là, à la fin, parfois c'est facile de réparer. Mais ceux qui sont issus de plusieurs lits, des lits différents là, souvent il y a c'est comme s'il y avait un fleuve au milieu qu'il faut traverser pour pouvoir dissiper le conflit. Oui. Parce qu'il y a des gens, ils vont te dire, ah non, le fils de ma mère, la fille de ma mère, des choses comme ça. Et puis on dit, bon, on va arranger, et puis c'est là qu'on te sort encore les machamoumenou, des choses comme ça. Mais maintenant, lorsque les enfants sont issus de plusieurs lits, chaque mère a son idéologie. Oui. Chaque mère a ses manières qu'elle inculque à ses enfants. Oui. Et c'est très rare. Heureusement ou malheureusement. Heureusement, à tort ou à raison. À tort ou à raison. Voilà. Et très souvent, c'est vraiment rare que tu trouves des enfants, des mères différentes, vraiment s'aimer, s'aimer et ne pas se voir une certaine haine. Mais ces gens-là, d'abord ils n'ont pas demandé ça. Ouais. Les enfants n'ont pas demandé. Ici, je ne suis pas là pour parler, pour demander l'avis des gens, pour savoir si la polygamie, elle est bien ou pas bien. Non. Moi, je parle de ceux qui sont issus de la polygamie, mais qui sont maintenant en conflit. Oui. Ils sont en conflit. Et très souvent, c'est des conflits qui dégénèrent. Oui. Bonsoir, Yapati Elifa. Yapatika. Bonsoir. Bonsoir, mon ami Gabi Mushigo depuis longtemps. Oui. Donc, il faut aider ces enfants, tout simplement parce que, vous savez, la famille, c'est la première cellule de la société. Exactement. Même si vous venez à l'église, si deux, trois familles au sein d'une église ne s'entendent pas, ça va se ressentir. C'est chaud. Et ça va polluer l'église. C'est chaud. Et beaucoup de conflits que nous avons dans la société actuellement sont parfois issus des conflits familiaux. Ah oui. Des frères et sœurs qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas, qui se vouent une guerre, mais alors une guerre... Ah! Oh. Bonsoir Laura Kanyuka, qu'est-ce que tu racontes? C'est pour ça qu'il y a Laura. Oh Seigneur, Dieu, j'ai béni Dieu de m'avoir mis dans cette famille. Vous êtes. Je peux te lire. Hein? Bonsoir Glenn Lelo. Nous voulons trouver les meilleures solutions ou ententes entre les enfants et même problème entre les différents. Solution entente entre les enfants. Les différentes mères pour le bien de tous, enfants, frères et sœurs entre eux. Arranger le conflit pour la paix, l'amour, le pardon, la bonne marche en Christ. Non. Oui, c'est l'heure de la causerie morale, c'est ça. Non, elle répond à Laura qui demande si elle était à cheval pour être déjà ici. Bon, c'est l'heure de la causerie morale. À la causerie morale, là, il faut être là à temps parce que quand ça commence et que les gens commencent à intervenir, ça devient chaud. Oui. Bon, je disais qu'il y a des conflits comme ça. Où parfois, nous, serviteurs de Dieu, nous sommes pris entre des feux. Des frères et sœurs, certains issus. Certains issus d'un même lit, c'est-à-dire d'une même maman. Oui. On les voit, les gens ne se parlent plus. Les gens ils se parlent plus. Et puis, pourquoi ce conflit va polluer aussi la société? C'est-à-dire que toi, tu as tes amis,
Tu as les gens qui sont pour toi. Ah, papa Patrice Kalombo. Il y a Patty demande. Tu peux recadrer, s'il te plaît. Elle vient d'arriver. Il y a Patty, nous parlons. Il y a Wanga Penaye, il y a Laura dit. Bien, bon, d'accord, Laura, bonsoir. Partagez. Il y a Laura, tu as beaucoup de groupes, des amis. Partageons, partageons. Ça nous concerne tous, cette histoire. Le thème de ce soir, nous disons, c'est comment aider spirituellement une fratrie issue de plusieurs lits. J'ai expliqué pour dire que ça veut tout simplement dire comment aider les enfants issus de la polygamie. Voilà. C'est ça, plusieurs lits. C'est-à-dire que, voilà, papa était dans avec telle maman, il a eu ses enfants, et puis il a eu aussi telle autre maman, peut-être qu'il les a épousés, peut-être que non. Et puis, cette polygamie dont je parle, elle peut être active ou passive. Explique. Active dans quel sens? Dans le sens où quelqu'un a épousé plusieurs femmes. Ou bien, quand il a eu ses enfants, il avait toutes ces femmes-là, deux ou trois ou quatre, je ne sais pas. Parce qu'il y en a qui le font. Et je voulais dire ici que on n'est pas là pour dire si la polygamie est bonne ou mauvaise. Non, on n'est pas dans le jugement. Mais je veux parler de ces enfants qui deviennent des victimes. Parce qu'aucun enfant n'a demandé à naître. Même des parents qui sont dans la monogamie, aucun enfant ne demande de naître. Bonsoir, maman Julia, tu es là. Bonsoir. Bonsoir, maman Julia. Aucun enfant ne demande de naître. L'enfant, nous disons toujours que c'est le fruit de notre amour, nous les parents. Amen. Bonsoir, maman Nadine, la majestication. Sois bénie. Donc, aucun enfant ne demande de naître. Non. On n'a jamais vu. Malheureusement. Voilà. Donc, les parents, que ce soit par un viol, une grossesse voulue ou non voulue, l'enfant ne demande pas de naître. Tu vois? Donc, partant, ces enfants-là deviennent victimes du fait qu'ils soient nés. Si l'on parle de plusieurs lits, on doit monter aux parents. Yapati, tu vas intervenir tout à l'heure. Je n'ai pas très bien compris ce qu'elle a voulu dire. Mais vas-y, continue ton explication et puis... Oui, plusieurs lits. Quand je dis plusieurs lits, c'est-à-dire que... on ne va pas faire... Avec plusieurs mamans, on ne va pas faire les enfants dans un même lit. C'est ça, plusieurs lits. Pour qu'une plante croisse, il faut arroser à la racine. Exactement. Oui, on va remonter aux parents. On va remonter aux parents. Mais maintenant, le problème, c'est que si c'est des enfants dont les parents ne sont plus vivants, où un des parents n'est plus vivant. Ça reste maintenant, la balance va pencher d'un côté, quoi qu'il arrive. Je parlais tout à l'heure de polygamie passive ou active. Oui, explique-moi. Qu'est-ce que je veux appeler polygamie passive? Je veux appeler polygamie passive, même le fait que quelqu'un ait fait des enfants en dehors du mariage. Il n'est pas marié à la femme. Ou bien avant qu'il se marie. Ou après son mariage. Après son mariage avec une dame. Yvette Mbombolo est ma belle-sœur. Elle est en Afrique du Sud. Oui, fais l'entrée, papa. Voilà. Oui. Donc, quelqu'un peut, après un divorce, il épouse une autre femme. Du premier mariage, il a déjà eu des enfants. Oui. Après, il épouse une autre femme. Oui. Il n'est pas dans la polygamie, mais ça devient quand même une polygamie passive. Pourquoi? Ah, parce que ça fait plusieurs lits. D'accord. Ça fait plusieurs lits quand même. Ok, moi j'avais pas compris. Active, c'est-à-dire c'est en train de... Non, active, quand je parle de la polygamie active, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, monsieur est avec deux ou trois femmes. Il est avec plusieurs épouses. Okay. Et officiel ou pas officiel, il est en train de vivre ça en ce moment. Mais d'autres, c'est quelqu'un qui a eu des enfants. Et puis, soit il est devenu veuf, il a eu d'autres enfants après. Ou il a divorcé, il a eu d'autres enfants après. Okay. Donc, les vrais termes à coller à ça, je ne les connais pas. Mais je peux parler d'une polygamie passive. Ok. Des choses comme ça. D'accord. Et n'est pas... Frère, ne pensez pas que lorsque nous vous disons ces histoires, nous sommes hors. Non, nous ne sommes pas hors de ces histoires. Nous-mêmes, nous sommes en plein dedans. Au contraire. Nous sommes en plein dedans nous-mêmes. Moi, je ne suis pas issu d'un papa polygame.
Mais mon grand-père paternel était un polygame, un chef coutumier par surcroît. Mon grand-père maternel, un chef coutumier aussi, était un polygame. Vous voyez déjà. Donc c'est au niveau de nos parents, au niveau de nos parents, qu'ils ont arrêté la polygamie. Mon père a... maman Yvette Mbolo. Ah, bonsoir, maman Yvette. Bonsoir. Bonsoir en Afrique du Sud. Maman Yvette, partage pour tes amis de l'Afrique du Sud. Bonsoir, papa Pimazaza. Papa, bonsoir. Papa Pi, partage aussi. Hein. Partagez vraiment. Ça nous concerne tous. Donc, quand tu donc disais... je disais que c'est mon père qui a arrêté cette histoire de polygamie. Amen. À son niveau, mon père a dit non, pas de polygamie. Surtout qu'il était un catholique en plein dedans. Ouais, oh, la connexion, oh God. Ah, bon, moi, ça m'a l'air tout bien là. Il faut couper les liens, papa, maman. Oui, oui, il faut couper, il faut couper. Ouais. Bon, et puis du côté de ma mère, mon grand-père paternel était polygame. D'ailleurs, ma grand-mère maternelle, la maman de ma maman, elle est déjà décédée. Mais la marâtre de ma maman, elle est encore en vie. Ah, ok. Et donc, la deuxième maman de ma maman, elle est encore en vie. Donc, hein? elle porte le même nom que JB. Donc, vous voyez, donc nous parlons de ces choses. Et puis, même ce qu'il faut dire aussi, quand je parle de passive, là, moi, j'ai eu mon grand garçon. Hein, il faut que les gens le sachent quand même. Oui, bien sûr. Nous n'étions pas encore ensemble. Si, si. Et après, nous avons eu nos demoiselles, qui sont les petites sœurs légitimes de mon enfant. Exactement. Mais ça fait deux lits. Oui, oui, oui. Quand même. Oui, oui, exactement. Donc, nous, on est... les choses comme elles sont. Donc, on n'est pas des donneurs de leçons dans ce dossier. Nous voulons vraiment que nous puissions nous aider. Nous aider, ma casse. Ouais. Maintenant... oui, il faut couper les liens de la polygamie. Oui, oui, il faut couper. Maintenant, je ne parle pas sur la polygamie. Je parle maintenant sur les enfants issus de la polygamie. Comment les aider spirituellement? Parce que c'est là que je veux que vous interveniez déjà. Vous pouvez déjà intervenir. Maman Gina, donne-nous le numéro. Ah, Maman Gina, toi aussi. J'ai mis. Tu as déjà mis? J'ai mis. Hein, le numéro. Moi aussi, j'aimais. Attends, c'est mieux de mettre le mien, non, ou pas? Mais seulement tous les numéros, même celui-ci, il n'y a pas de souci. J'ai mis déjà. Donc, vous pouvez déjà appeler. Oui. Ah oui, maman. C'est papa... Papa Ilumbe. Ouais. Oui, c'est hyper sérieux. Parce oui, que... Oui, il y a Laura dans 30 minutes, tu peux intervenir. Ah, maman Julia donne déjà des solutions. Parmi les solutions, la première chose, il faut les aimer. Oui. Stéphane vous dit ça. Shalom. Bonsoir. Bonsoir, 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 papa Stéphane. Bon, lorsque je parle de ces enfants-là, je parle de ces enfants lorsqu'ils sont en conflit entre eux. Parce que c'est ça qui provoque les fissures. Nous sommes de telles mamans. Nous, nous sommes de telles mamans. Nous, nous sommes de telles mamans. Et ça, ça provoque des... Et ça a des conséquences. Ah, terribles. Et ça part dans tous les sens. Le problème est très complexe. C'est vrai. Oui, le problème est très complexe. C'est vrai. Mais nous, nous sommes des chrétiens. Alors, partagez. Il est tellement complexe. Il est nous avons une lecture. Partager pour que les autres personnes puissent participer aussi, parce que ça nous concerne tous. Oui, papa, tu peux continuer. Donc, nous avons une lecture. Nous devons regarder les choses à la manière de la Bible. Ah, oui. Et même lorsque nous revenons dans la Bible, nous voyons qu'il y a eu Isaac et Ismaël. Ah. Dans la Bible. Jusqu'au ce conflit perdu. Il y a eu Isaac et Ismaël, deux lits. Jusqu'aujourd'hui. Mais derrière aussi, il y a eu Keturah avec ses plusieurs enfants. Ah! Hein? Abraham a eu aussi Keturah avec ses plusieurs enfants. Yades Balungi, bonsoir chez toi. C'est mon grand frère de la chorale. Il m'a vu tout petit là. Oui, ben maman voilà. Julie appelle. Voilà, vous pouvez appeler. Hein? Bonsoir, maman Julia. Tu es à l'antenne.
Bonsoir, maman, bonsoir. Oui. Bonsoir. Maman Julia, bonsoir. Ah, moi qui vous appelle, je suis aussi Deda. Oh. Oui, j'ai élevé les enfants de mon premier mariage. Mm-hmm. Ils étaient 6. Mon mari a fait 6 enfants, mais moi j'ai élevé 3. Ok. Ils étaient venus très petits à la maison. Ok. Je crois que la première avait 7 ans, et l'autre 5 ans, et l'autre 3 ans. Moi, je n'avais pas encore eu des enfants. Ok. Vous m'écoutez? Oui, moi, oui, je vous entends très bien. Très, très bien. Je n'avais pas encore eu des enfants. Un jour comme ça, je vois leur maman, moi j'étais au travail, elle est venue les déposer là-bas à l'entrée de la parcelle. Et ma sœur les a accueillis. Quand je suis arrivée du boulot, j'ai trouvé ces enfants. D'abord, la maman avait une mauvaise intention. Elle croyait que peut-être mon mari ne m'avait pas parlé qu'il avait des enfants. Mm-hmm. Bon, quand je les ai vus, je les ai accueillis. Bon, à ce moment, je ne connaissais pas vraiment le Seigneur, mais je les ai accueillis dans la prière. Je leur ai dit, bon, soyez les bienvenus. Et si c'est chez vous. J'ai commencé comme ça et personne ne m'a appris. Donc, je peux dire que ce que j'ai vécu, c'était vraiment la main du Seigneur. Yes. Et j'ai vécu avec ses enfants ont grandi. Et j'ai vu aussi leur caractère, ce n'était pas facile aussi. Alors moi, ce que je faisais, je ne partageais pas. S'il y a à manger, ils mangent tous. S'il n'y a pas à manger, eux tous, ils ne mangent pas. Ils mangeaient tous ensemble, je ne savais pas les partager. Moi-même, je les ai acceptés comme étant mes enfants. Même si vous les regardez comme ça, même si on ne te dit pas que je ne suis pas leur mère, tu ne peux pas croire. Donc, il n'y a que ceux qui nous connaissent qui peuvent vous dire que voilà, ces enfants ne sont pas mes enfants. Mais je les traitais au même. Donc, je ne savais pas comment choisir. Ça, c'est mon fils. Ça, ce n'est pas mon fils. Non. Mais ils avaient des caractères très difficiles. Mais je suis parvenue quand même à les aimer tels qu'ils étaient. Ils ont étudié, il y a une qui s'est mariée, il y a des autres qui sont en Afrique du Sud. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en bon terme. Donc, le secret, c'est vraiment l'amour. Alléluia. Amen. Amen. Ah, le secret, vraiment, c'est leur donner de l'amour. Fais comme si... Moi, je parle maintenant du côté de la maman. Hein. Mm-hmm. Moi, je suis une mère qui a accueilli les enfants de mon mari. Mm. Donc, ça doit être aussi vice-versa, même si la femme apporte aussi ses enfants dans les mariages. Mm. Les maris aussi doivent les aimer. Ils ne doivent pas partager. Parce que ces enfants-là n'ont pas voulu, ils n'ont pas demandé à naître dans cette famille et dans ces conditions-là. Mm-hmm. Mm. Ah, donc, il faut vraiment être une mère qui a un cœur. Mm. Et si tu es là, tu veux choisir, tu veux partager. Et j'avais compris une chose. Ce que tu fais à ces enfants-là, c'est la bénédiction que tu es en train de semer pour tes propres enfants. Yes. C'est ce que beaucoup de mamans oublient. Mm. Ils croient qu'en faisant du mal à ces enfants-là, parce qu'ils ne sont pas ces enfants qu'elle a mis au monde, ils croient que c'est là, ils vont suivre là, ils vont subir la conséquence. Non, la conséquence revient à tes enfants. Mm-hmm. Mais si tu avais aimé tes enfants là comme tes propres enfants, sache que la bénédiction reviendra aussi sur tes enfants. Oui, voilà maman. Maman Julia, ne quitte pas. J'ai envie que tu répondes aussi à un autre volet de ce débat. Parce que là, tu as soulevé le cas d'une maman qui accueille des enfants de son mari. Mais maintenant, je veux parler de ses enfants qui ont déjà grandi, mais qui, entre eux, vivent maintenant avec cette différence-là de dire que non, nous sommes tous des fils et filles de tels, mais des mamans différentes. Et à cause de cela, ces enfants-là se vouent une certaine haine. Certains rentrent même en concurrence. Ouais, ah oui. Certains sont jaloux entre eux, des choses comme ça. Ouais. C'est dans ce cas-là que je voudrais qu'on puisse aider ces enfants. Parce que parfois, ce sont même les parents
qu'il est mon... Moi, j'ai déjà vu un papa. C'est lui qui est le père de tous les enfants. Mais il, par sa façon de se comporter, on dirait qu'il monte ses enfants les uns contre les autres. Malheureusement, c'est déjà arrivé. Vous voyez que non, c'est le papa qui divise. C'est le papa qui parle, qui fait la distinction. Peut-être les mamans, là, ne sont même pas n'alimentent pas. Mais si c'est le papa qui fait déjà comme ça, les mamans d'office, elles n'ont rien à dire. Voilà. Sauf s'il y a une maman sage qui appelle ses enfants pour leur dire, ça c'est vos frères, ça c'est vos sœurs. Voilà. Papa, vous savez, ces enfants-là, quand ils viennent dans le foyer, ils sont d'abord innocents. Vous comprenez, ils sont innocents. C'est l'atmosphère, l'environnement que vous allez leur donner, c'est ça qui va faire leur caractère. Tu vois? Bon, peut-être qu'ils ont reçu une semence quelconque, mais quand ils viennent dans un environnement où ils trouvent de l'amour, où ils trouvent la parole de Dieu, parce qu'après j'ai connu le Seigneur, et je les encadrais maintenant dans le Seigneur, et quand ils ont grandi, ils ont reçu la semence de Jésus. Donc, s'il y avait des conflits, moi je savais comment les amener. J'apportais toujours la bonne nouvelle. Je leur parlais par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Au moins, on parle les mêmes langages. Mais ce qui est dommage, c'est que quand vous élevez ces enfants-là, ils n'ont pas vécu la vie chrétienne. Ils sont là, ils vivent comme des païens. Papa, c'est normal qu'il y ait des conflits parce que c'est le diable qui est à l'œuvre. Mais là où il y a la parole de Dieu qui est vraiment annoncée et que vous allez avec ces enfants à l'église, vous écoutez la parole de Dieu, vous rentrez à la maison, les conflits ne manquent pas. Ça peut aussi arriver. Parce que je sais qu'un jour, leur grande sœur a tapé mon fils. Parce que bon, mon fils, je ne sais pas ce qu'il lui avait fait. Alors, mon fils a répliqué. Quand il a répliqué, mais il fallait voir maintenant la colère que la grande sœur avait manifestée. Elle a commencé à jeter des histoires sur mon fils, jusqu'à même à casser des verres, tout ça. Quand leur papa est arrivé, il dit, mais pourquoi toi, tu es la grande sœur, tu es en train d'agir comme ça? Donc, comme on l'a fait la remarque, c'est que vous ne m'aimez pas. C'était un conflit vraiment. Mais moi, quand je suis arrivée, j'ai appelé la sœur, je lui ai dit, non, c'est ton petit frère. Même s'il t'a fait mal, on ne va pas les tuer. Toi, tu voulais absolument les tuer, mais moi, mes parents, on ne peut pas les tuer. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai écouté. Puis je suis allée causer avec mon fils. Et puis il est venu demander pardon. Et on a arrangé la situation. Donc, c'est quand il y a la parole de Dieu dans ce foyer-là, que vous pouvez régler les conflits. Si la parole de Dieu n'est pas là, papa, vous pouvez tout faire. Parce que là, c'est le diable qui est vraiment au milieu de tous ces conflits-là. Parce que non pas que le diable, il vient toujours pour détruire, dérober et voler. Ouais. Mais Jésus-Christ est venu donner la vie en abondance. Alors, toi, en tant que parent, que ce soit l'homme ou que ce soit l'homme ou la femme, si vous avez de tels enfants à la maison, la première des choses, vous devez leur apprendre de la parole de Dieu, qu'ils connaissent Christ dans leur vie, comment ça marche selon la parole de Dieu, jusqu'à leur âge, jusqu'à leur majorité, comme on dit. Après, bon, s'ils grandissent, ils font leur foyer, et qu'ils ne respectent pas ce qu'ils ont reçu comme semence, ça, c'est maintenant leur responsabilité à eux. Mais au moins, les parents ont fait leur travail. Voilà un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, vous avez répondu. Comme ça, on va écouter aussi d'autres sons de cloche. Merci beaucoup pour cette première intervention. Ça nous met déjà sur des pistes. Merci vraiment. Merci, maman. Je salue maman Bijou Moutoualé qui nous a rejoint et le bien-aimé Roméo Hermès qui nous regarde aussi. Que Dieu vous bénisse. Yapati, oui, le thème c'est comment aider spirituellement. Lorsque nous parlons de spirituellement, donc nous mettons ça dans le volet chrétien. Malheureusement, c'est dans les familles chrétiennes. Maman Adélaïde, maman Marie, bonsoir, tu es à l'antenne. Bonsoir, parrain, bonsoir, ma reine, que Dieu vous bénisse abondamment. Si, bonsoir, si. Maman, bonsoir. Dis-nous bonsoir. Tout. Je bénis vraiment la maman qui vient de parler tout à l'heure. Elle a expliqué la clé. La clé, c'est l'amour, oui.
l'amour, l'amour, l'atmosphère d'amour dans une maison. Et malheureusement, cela ne se passe pas dans toutes les maisons. Oui. Parce que les enfants, moi j'appelle toujours les enfants sont des terres neutres. Et ces terres-là qui n'ont pas encore reçu des semences. La semence que tu vas jeter dans cette terre-là, c'est ce qui va produire. Mm-hmm. Et la plupart du temps, lorsque, surtout dans les familles polygames, ça dépend de la manière dont la maman est partie aussi. Mm-hmm. Ça dépend de la manière où l'homme vit avec. Parce qu'il y a, chez nous, par exemple, je parle de chez nous en Afrique, le papa peut imposer la première femme à accepter d'autres femmes dans la maison. Mmh. Femmes qui vivent ensemble, 3-4 femmes sous le même toit. Et le papa, pour lui, pensant réunir les femmes et les enfants, il pense qu'il a réuni. Il fait tout un clan, mais avec des sous-clans dedans. Mmh. Parce que la personne qui nourrit l'enfant, c'est la maman. Ah oui. La maman, elle nourrit l'enfant et physiquement, et spirituellement. Exactement. Tout dépend de quel plan spirituel la maman se trouve aussi. Ah oui. Ça, c'est très important. Oui. Quand une maman, elle est chrétienne, elle produit de l'amour, elle donne de l'amour, de l'affection, de l'amour et la parole de Dieu qui est aussi la nourriture. Mais si tu tombes dans une maman qui n'est pas chrétienne et qui a ses traditions et coutumes, va aussi élever. Donc voilà, il y aura plusieurs langages dans la maison qui ne va jamais aboutir. Les enfants auront un semblant. Le papa peut donner tout, mais il y aura toujours un semblant. Quand ils sont petits, ils sont obéissants. Quand ils grandissent, chacun commence à montrer ce qu'il a reçu exactement. Mm-hmm. Voilà, nous voyons aujourd'hui les meurtres qui se passent dans des familles à cause de la jalousie. Mm-hmm. Et cela vient toujours de ce que les mamans ont inculqué à leurs enfants. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est très important. Oui. Mm-hmm. Ce que les mamans ont inculqué à leurs enfants. Et surtout si c'est un papa qui a beaucoup d'argent et chacun commence à regarder qui va tirer les gros lots, prêt à détruire même l'enfant de l'autre. Je parle ça de mon témoignage. J'étais enfant, ma mère est partie, je suis allée chez ma belle-mère, mais ce que la belle-mère a fait, le fait seulement de me voir, la jalousie qu'elle avait envers ma mère, elle a commencé à manifester ça vis-à-vis de moi. Je n'étais qu'une petite fille, je n'avais que 12 ans. Mais elle a été méchante à tel point que je ne peux même pas expliquer ces choses ici à la télé. Mais pourquoi? Et pourtant, moi, de mon côté, ma mère ne m'a jamais parlé de mal de l'autre. Mais cela, ça fait même la différence entre nous, les enfants, lorsque nous grandissons. Il y a de brèches qui se sont créées. C'est vraiment que dans le Seigneur, qu'on essaie de se rapprocher, mais c'est difficile. C'est difficile. On ne force pas l'amour. C'est difficile. Tu peux avoir l'amour de Dieu pour aimer l'autre, mais si l'autre ne t'aime pas, tu ne peux pas forcer. Ah, bien sûr. Tu sais, on grandit, ça devient comme un arbre qui pousse des rejetons, mais qui pousse de l'autre côté. On n'est pas unis. On porte les mêmes noms, mais on n'est pas unis. Mm-hmm. Et ça, même que je regardais, je me suis dit, Seigneur, préserve la génération présente, que ces enfants d'aujourd'hui n'aillent pas dans plusieurs lits, comme Papa Désir l'a dit. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé après que l'homme ne se contente pas de sa femme. Il veut. Moi, je ne parle pas des veuves ou d'une relation où une femme est partie, elle est partie d'elle-même, quoi que ce soit, mais je parle de ceux qui sont conscients. Il a une femme, ça ne lui suffit pas, il veut en prendre une autre. Je peux encore accepter que la femme, elle est partie, ou la femme, elle est morte, ou l'homme est mort. Je peux comprendre que non, la personne est jeune, ne peut pas rester seule. Mais je parle ici des hommes qui sont bien portants, qui ont une femme à la maison, regarde sa femme et dit que toi, ça ne me suffit pas, va chercher encore un autre. Je parle, c'est leur égoïsme là crée des problèmes et le fruit, nous voyons, malheureusement, c'est les enfants qui s'entretuent aujourd'hui, les meurtres, la jalousie, la sorcellerie qui règne. Et ces familles-là ne peuvent être sauvées en aucun conseil, seulement la parole de Dieu. Mmh.
si les gens donnent leur vie à Christ, en ce moment, tu vois, la réconciliation vient. Parce que là, en ce moment, nous n'avons plus notre racine de nos mamans ou de nos papas. Nous aurons la seule racine, c'est Christ lui-même. Yes. Et là, nous pouvons parler le même langage. Mais si dans une famille pareille, les enfants ne connaissent pas Dieu, si, même si la maman elle était gentille, les tantes, les oncles vont toujours chercher à intoxiquer les uns les autres. Ah, malheureusement, oui. Malheureusement, ça se passe comme ça. Le seul conseil à donner à ses enfants ou à amener ses enfants à connaître le Seigneur, là, on a gagné. Mais s'il n'y a pas Christ, tout ce que tu peux faire, même si ce sont des familles où il n'y a jamais eu de problème, il y aura toujours une frustration, une racine de frustration qui est là. Qu'un jour, parce que les enfants, eux, ne différencient pas. Tu peux être très gentil avec même nos propres enfants. Moi, j'ai déjà eu mon propre enfant, il me dit, maman, tu ne m'aimes pas, tu aimes plus mon frère. Mais il est de même père, de même mère. Ce n'est pas, ok, papa n'a eu mon sous, non, même père, même mère. Et à forcerie ceux qui viennent des parents, des papas ou des mamans différentes. Ah oui, c'est compliqué. C'est ça. Je pense que ce n'est pas facile, humainement parlant, si la personne qui les élève, comme la maman, la première maman qui vient de parler, qui avait d'abord, elle-même, je la bénis vraiment parce qu'elle avait d'abord la racine d'amour dans son ventre. Si elle n'avait pas ça, je ne pense pas qu'elle allait aimer ses enfants. Ah, c'est ça. Ça. D'abord, c'est l'amour qui fait que, qui atténue toute chose, qui peut aider à produire des bons arbres et que ces arbres portent des bons fruits. Mm-hmm. C'est tout ce que moi je peux dire ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci maman. Beaucoup, que Dieu te bénisse. Merci aussi. J'ai salué tout à l'heure Maman Bijou Moutoualé, je salue notre bien-aimée Aïcha Soare qui nous regarde. Bon, voilà, bien-aimée. Tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce que Maman Patty Elif a écrit. Que malheureusement, ces choses se passent aussi dans des familles chrétiennes. Oui. Et pas seulement dans des familles chrétiennes, même dans l'Église. Vous trouvez dans l'Église des gens qui sont pro-tels et des autres qui sont pro-tels. Dans l'Église. Bonsoir, excuse-moi papa. Oui. Glenn Drum, bonjour. Chris David Mukuna, je pense. MKN, bonsoir. Kifudi Baoudi Moezanga. Ok, d'accord, maman Blandine. Ok. Sois bénie, maman. Merci beaucoup. Alors, de temps en temps, il faut basculer sur YouTube pour voir. S'il y a des questions. Là, tu es sur YouTube. Je suis sur YouTube. OK. Oui. OK. En tout cas, soyez bénis et continuez. Il y a des téléphones. Vous pouvez voilà. aussi... Je disais que ça fait aussi mal de voir qu'à l'église, il y a des gens qui font des camps par rapport à ces enfants-là. Et c'est que maman Marie vient de dire. Moi aussi, je peux rapporter que, voilà... ma tante maternelle était la première épouse dans un mariage où elle a eu trois rivales. Donc, mon oncle là, bonsoir maman Katika Londa, que Dieu te bénisse. Laura, tu ne connais pas le numéro de maman Gina? Laura appelle sur le numéro de maman Gina. Okay. Noël Tseka, bonsoir, que Dieu te bénisse papa. Donc, ma tante là était la première épouse dans un mariage où elle avait trois rivales. Mais quand elle n'avait que deux rivales, c'est-à-dire quand elles étaient trois, c'était la période de mon enfance. C'est le seul endroit où mes parents nous permettaient d'aller en vacances, chez notre tante là. Oui. Et les enfants naissaient presque dans les mêmes périodes. La différence était peut-être d'une année. Donc, la sœur aînée est née en 59. La sœur qui suivait d'une autre mère est née en 61. Et le frère qui venait après est née en 62. L'autre est née en 63 d'une autre mère. Jusqu'à ce qu'une troisième mère est entrée dans la danse. Et puis, on se retrouve. Et puis, nous qui venions aussi de chez notre maman. Et tous ces enfants-là. Il y a Laura qui appelle. Oui.
Voilà, je suis obligé d'interrompre mon speech pour parler à Laura. Oui, il y a Laura, bonsoir. Laura, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, maman Gina, bonsoir, papa Désir Galala. Oui. Oui, on t'écoute. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Ben, bonsoir à tout le monde qui est sur ligne, donc qui est en train de suivre l'émission. J'interviens parce que ces thèmes me concernent aussi. Okay. Je suis d'une famille polygame, mais je vais parler brièvement, pas vraiment rentrer dans les détails, oui. Parce que nous sommes dans les réseaux sociaux. Exactement. Il y a les familles qui écoutent, les frères et sœurs qui écoutent. Donc voilà. Oui. Et je voulais juste dire que le premier point, c'est d'abord l'amour. C'est ce que toutes les intervenantes qui ont intervenu avant moi ont dit. D'abord, c'est l'amour. J'ai dit ça pourquoi ? Parce que moi, j'ai une grande sœur née d'une autre mère. Oui. Et quand elle est arrivée chez nous, vous voyez les enfants, quand vous êtes déjà avancés en âge, et on vous montre une grande sœur, vous boudez, vous voyez. Mm-hmm. Elle sort d'où, elle est qui, elle veut quoi, je sais pas. Voilà. Et c'était le contraire avec notre maman. Si un jour je racontais comment elle était venue au monde, c'est vraiment scandaleux, mais c'est pas le but. Et maman a supporté tout ça. Et même si elle voyageait, elle venait avec Babilo Kopilamba et tout ça, c'était elle la première qui devait choisir. J'ai une petite soeur qui est un peu olé olé, qui disait non, maman. Elle dit non. Ça, c'est pour ne pas créer des problèmes entre vous. Ah c'était oui. La sœur. C'était la sœur. Maman Koyana Bilamba, elle est tale comme ça. Et c'était notre sœur qui choisissait la première. Oui. Donc, sur ce point-là, elle était vraiment catégorique. Et je vous dirai qu'est-ce qui a produit après ces gestes-là. Oui. Et entre filles, entre nous, il n'y avait pas de problème. Si tu nous vois, nous trois, comme ça, tu ne peux pas distinguer que celle-là est de cette mère et l'autre n'est pas de l'autre mère. Parce qu'on a grandi ensemble. Papa avait cette habitude-là de prendre ses enfants et puis grandir ensemble. Si on vous met tous les canouks ici, vous n'allez même pas dire que non, ils sont issus de mères différentes. Ouais. Non, puisqu'il y avait l'amour qui régnait de par notre maman déjà. Oui, très bien. Et un point que je veux souligner, les conflits entre frères et sœurs, ça ne vient pas seulement de la jalousie fratricide. Je ne sais pas si on dit ça à papa Désir ou à français. Je ne sais pas si on dit ça. Oui. Mais les conflits viennent de la famille élargie, les oncles. Exactement, les tantes, Oniat. Les cousins, les cousines. Vous voyez? Quand les femmes qu'on appelle deuxième ou troisième niveau, tu vois, comme on dit, les belles-sœurs et tout. Mm-hmm. Et les belles-sœurs viennent maintenant pour, comment dirais-je, pourrir la relation des enfants. Exactement. Ça, vraiment, c'est très important. J'ai dit ça, je sais le pourquoi j'ai dit ça. Oui. C'est très, très, très important. Mais entre les enfants, il peut y avoir des problèmes, des tiraillements, c'est vrai. Parce que là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Les gens se chamaillent, il n'y a pas de souci. Mais la famille élargie vient vraiment faire des troubles, vient troubler la tranquillité des enfants. Exact. Et le deuxième point, c'est quoi? C'est le leadership de la famille. Oui. C'est-à-dire, il y a trois frères qui émergent bien, ils se voient déjà arriver, il veut prendre la tête de la famille, donc Marcamounios, c'est lui. Et il y a des soeurs là-bas, il y a la concurrence. Oui. Elle fait ça, moi je fais ça, moi il faut que je sois la plus aimée des autres membres de la famille. C'est tout ça en fait, c'est tous ces paramètres-là. Et ceux qui ne savent pas, Bana Obazobota, ils voient. Exactement. Et ils reproduisent ça, c'est-à-dire que non,
les enfants de tel, moi, je ne veux pas parce que ses parents ne s'entendent pas. Mm-hmm. C'est ça le comble, en fait. Parce que moi, ça me fait mal quand je vois des cousins-cousins et les cousins-cousines parler entre eux. Ah, mais non, tu sais, moi, je ne pars pas là-bas hein, parce que tu sais déjà que non, tata et l'autre, là, ils ne s'entendent pas. C'est triste. Pas, c'est là où vous pourrissez déjà la vie de la génération future. Exactement. C'est vraiment très important aux parents de... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est-à-dire d'avoir, de donner de l'amour. Oui. À ces enfants qui sont nés d'une autre mère ou de notre père. Oui, exactement. Et ça vient souvent quand tu es marié à un homme qui a déjà des enfants et que toi, tu n'en as pas. Et puis, ces enfants-là, ils s'est trouvé des enfants chéris. Et quand toi, tu auras vraiment ton propre enfant, et tu vois, les parents, elles donnent toujours l'amour au dernier. Vous voyez? Ouais. Et quand ils donnent l'amour au dernier, et ça crée aussi la jalousie entre les enfants. Ouais. Moi, c'est dire qu'il faut vraiment prôner l'amour. Exactement. Il y a beaucoup de choses, mais je me retiens parce que je ne peux pas tout dire sur les nets. Oui. Ben, ce que je pouvais dire seulement que non, c'est l'amour. Et les familles, quand je dis les familles au pluriel, les familles élargies, il faut laisser les enfants d'autrui tranquilles. Exact. Il faut laisser les enfants d'autrui tranquilles. Oh, c'est ces familles-là qui créent des problèmes. Exactement. Tu vas voir, non, nous on aime celle-là, nous on n'aime pas celui-là. Or, ce sont des enfants issus d'un même père. Ah. Au Cameroun, on a ni parce qu'ils ont les mêmes sens. Exactement. En tout cas. Vraiment. Mais tu sais que ce soir, c'est déjà un premier miracle que tu es intervenu. Ah ouais? Et je suis content. Non, papa t'a dit, j'aime souvent intervenir, mais quand j'essaie d'intervenir, la chose qui est où, c'est que je voulais dire, une autre personne l'a déjà dit. Ah oui, merci. Ouais, mais il faut toujours appeler pour soutenir. Mais bon, voilà. Je commente, mais aujourd'hui, là, je me suis dit, je serai la deuxième, la troisième, pour que ce que je vais dire, que ce ne soit pas déjà dit par une autre personne. Je sais que ça, il y a deux points qui sont déjà dits, mais en passant comme ça. Oui. Donc, voilà, maman... Gina. Desi Kalala. Merci. Merci beaucoup, merci, Laura. Merci, c'est que gentil. Que Dieu te bénisse. Bisous, bisous. À bientôt. Bonsoir, maman Euphrasie Kadima. Bonsoir, maman Bijou Tshibola. Bonsoir, sénateur Didier Imbondo. Bon, voilà. Bien-aimé, c'est vraiment intéressant. Bonsoir, maman Véronique Bijou Mampouya. Oh, Biche Belle. Oui, oui. Ah, le désir de ton cœur. Le désir de mon cœur. Biche Belle. Vraiment, justement, il y a des choses qui sont soulevées ici et qui sont vraies, oui. Qui sont réelles. Ah oui, qu'on est en train de vivre. Et je veux revenir sur quelque chose que maman Marie-Adélaïde Dieng a dit tout à l'heure ici. Vous savez, vous pouvez pendant un moment vivre une lune de miel. Mais à la fin, ça finit toujours par dégénérer. Oui. Ah. Oui, Yaya, tu as oublié quelque chose? Allô? Oui. Allô? Oui. Maman, j'ai oublié un point que je voulais souligner. Oui. Ce qui a produit l'amour que notre maman avait donné à notre sœur. Et Dieu qui ne dort pas, comme on dit, notre sœur avait rencontré un monsieur. Un monsieur qui était ambassadeur du Tchad en RDC. Et la vie de notre sœur avait basculé dans une grande maison à Pigeon, tout et tout. Et c'est elle! À comment qu'il y conduit à la famille? C'est elle! Vous comprenez? Et si on l'avait maltraité? Convenablement. Et si ma maman l'avait maltraité? Ah, c'est ça. Mais c'est elle qui est devenue maintenant le pilier de la famille. Voilà, tu comprends. Ma maman voulait venir se faire soigner. Il suffisait seulement d'un courrier. Le monsieur écrivait un courrier à son homologue, à son ami. Oui. Et il y a ma belle-mère qui
peux faire un tour en Europe. Les visas TIC. Direct. Direct. Sans rendez-vous, sans quoi. Waouh, tu vois. Elle a eu beaucoup de monde. Donc, c'est-à-dire pour dire que ça ne sert à rien de maltraiter un enfant hors mariage, oui, ou une demi-sœur, comme on dit, ou un demi-frère. Exact. Parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Oh, yes, yes. Une très belle histoire. C'est un point que je voulais aussi souligner. Parce que si ma maman ne l'avait pas bien traitée, comme elle était devenue là, elle n'allait même pas nous regarder. Ah, exactement. Oui. Exactement. Ah, oui. Ah, et puis, quand elle est partie avec le monsieur, on l'a épousé, la première personne à qui elle a acheté Bilamba Fax hollandais, c'est pas notre mère, et c'est pas sa mère, hein, sa mère biologique, hein, c'est ma maman à moi. Wow. C'est elle qui a porté tout ça. C'est elle, elle était toujours avec elle. On s'est demandé même est-ce que maman Anna, il lui a mis quelque chose à la nourriture ou quoi. C'était l'amour. Pourquoi? À cause de l'amour que maman lui avait montré. Mm. Et puis ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. Yes. En tout cas, ça, c'est un bon témoignage. Wow. Ça nous donc doit... voilà, c'est un truc que j'avais oublié. Et voilà, c'est pourquoi j'ai rappelé. Merci. C'est bien d'avoir rajouté ce complément-là. C'est très, très bien. Merci très beaucoup. C'est très important. Merci, ma chérie. Waouh. Waouh. Ben, voilà, vous aussi intervenez. 21h, en fait, vite, on va bientôt finir. Hein. Vous aussi intervenez. J'ai salué tout à l'heure maman Ephrasika Dimanche, je crois. Oui. Je l'ai salué. Oui, oui. C'est ma nièce. Oui, oui. Maman, c'est ma nièce. Et oui. Donc, tout à l'heure, avant que Laura ne rappelle, je voulais revenir sur ce que maman Marie-Adélaïde avait dit. Oui. Parfois, vous pouvez passer vraiment un temps qu'on peut qualifier de lune de miel. Oui. Un temps d'entente parfaite. Mm-hmm. Mais parfois, certains conflits, certaines semences, mauvaises semences qui ont été déposées dans les enfants vont produire du mauvais fruit ultérieurement, plus tard. Plus tard, je te dis. Parce que moi, avec mes cousins là, permettez-moi de les appeler mes cousins, mais c'est mes frères. Avec mes cousins là, on mangeait ensemble. Oui. Avec mon grand frère. Sauf notre sœur aînée, elle n'était pas dans ces choses-là comme elle habitait ailleurs. Yapati. Bon. Waouh. Nous vous aimons pour ça aussi. Yapati. Bonsoir, Yapati. Il est où ton mari? Ton mari, il est où? Là, il est avec les enfants. C'est son tour. Là, moi, je dois intervenir. Ah, c'est bien. Parce que j'attendais qu'il vienne. Mais lui, il avait dit que c'était impossible. J'attendais son impossible, là. Mais on est avec toi. Toi, parle seulement. Toi, parle. Oui, dis-nous tout. Moi, je voulais intervenir sur ce sujet parce que Allô? Oh, ne commence pas, toi, la reconnexion. Sois gentil. Allô, Yapati? Reconnexion. Bon, je sens qu'il pleut aussi dehors. Oui, il pleut. Oui, il y a appelle-la sur le numéro normal. Oui, oui, je vais l'appeler. Donc, je disais que, avec mes frères-là, on mangeait ensemble. Tantine Généreuse, elle est là. Elle est... Shalom, Maman Symphorose. Tantine Généreuse, Tantine Zoé, on mangeait tous ensemble. On faisait tout ensemble. Oui, j'attends. En plus, jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne sais pas qui. C'est la... Quand je te pose la question, c'est la fille de qui? De quelle maman? Oui, Yaya, tu peux parler. Hein? Il pleut ici. Il pleut ici. La connexion n'est... Ah, d'accord. Voilà. Okay. Mais... Il avait deux femmes. Et dans mon entourage, et même en grandissant, je n'ai pas forcément grandi dans une famille polygame, mais j'ai grandi chez comment on appelle, le papa pour le tout. Donc,
Et dans ça, il y avait aussi des enfants, du coup, de plusieurs lits qui étaient là. Et moi, j'ai vu, en fait, le scénario d'être enfant issu de plusieurs lits et être enfant de plusieurs lits, mais ayant sa maman sur place. Mmh. Et ce que moi, je disais tout à l'heure, c'est que, en fait, les parents s'aiment sans le savoir, en fait, la jalousie ou une certaine réaction vis-à-vis des frères dans les enfants. Mmh. Dans quel sens je dis ça? Ça veut dire qu'un enfant qui arrive dans une famille où déjà il est, il vient d'un premier lit, on va dire, il arrive dans un foyer où la maman n'est pas le sien, la sienne, pardon, où le papa est le sien. Maintenant, la maman a une réaction de rejet. Comme on disait tout à l'heure, c'est l'amour qui fait que les enfants sont attirés. Mais parfois, la maman peut avoir de l'amour, mais l'enfant ne le veut pas. Parce que même si sa maman, avant, ne lui a pas forcément mis dans la tête que Aza, moi, il y a moi telle photo ou quoi que ce soit, mais intérieurement, parce que la personne sait qu'elle est enfant d'un premier lit, elle arrive dans un foyer où son papa qui est son papa, mais la maman n'est pas sa maman, il se sent directement dans un environnement hostile, alors que ce n'est pas toujours le cas. Mmh. Je dis ça dans deux volets, parce que j'ai eu à voir, en fait, où la maman a eu une réaction de rejet vis-à-vis de l'enfant. Et j'ai eu aussi à voir où la maman a eu beaucoup d'amour et l'enfant a eu une réaction de rejet. Mmh. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que faut-il encore que les personnes soient converties dans le sens où, en fait, les personnes acceptent l'amour d'une autre personne quand la personne est hostile, quand ils sont vraiment convertis. Je veux dire, j'accepte que Moutou Oyo, même si Adam Bade Maman Nanga qu'elle m'aime, parce que pour moi, l'amour, c'est naturel, c'est pas quelque chose que tout le monde. Mm-hmm. Mais en réalité, moi, je trouve qu'on doit partir, en fait, à la base des parents. Les parents, en fait, ils, comme tu disais tout à l'heure, Papa Didi, ils sèment une graine dans les enfants. Si on arrive dans un foyer où il y a un groupe d'enfants, Bango, sont des enfants intelligents, sont des enfants polis, même s'il y en a, c'est des rebelles, mais comme leur maman est là, c'est des enfants parfaits. Et les enfants qui viennent d'ailleurs, c'est des enfants, ils sont... Non, les autres là, c'est des voyous, c'est des méchants et tout ça. Voilà. C'est des brebis galeuses. Exactement. Même si c'est mais vraiment, c'est exactement ça. Et souvent aussi, les parents, ce qu'ils font, c'est que moi, j'ai eu à voir ça, pas forcément dans ma famille, où le papa insultait la maman du premier lit, comme tu disais. Yozota Makambo, parce que maman, yo, ta mère était prostituée, regarde, ta mère était ceci, cela. Ok, d'accord, une fois, deux fois, et l'enfant intègre ça dans sa tête. Vous, votre maman est parfaite, moi, ma maman est mauvaise, en fait. Ça fait qu'il y a directement dans la tête de l'enfant quelque chose qui brille, en fait. En fait, la personne, elle peut être bonne, mais du moment où il y a la graine de la méchanceté ou des propos qui sont implantés dans sa tête, même s'il a l'amour de cette maman-là, franchement, c'est les vues et revues, même si la maman, elle se casse en mille, elle donne, ça ne changera rien. C'est juste vers ça. Si la maman, elle est méchante et que le papa, il a beau être gentil, ça ne change rien parce que ce qui est aimé dans la tête d'une personne, tu le dis, je sais plus c'est qui le disait, c'est une maman qui disait, les enfants sont des terres fertiles. On y plante des choses et ces choses-là germent. Et demain, ça produit des explosifs. Ça produit des familles disloquées. Mais on va t'aimer aujourd'hui, mais dès que chacun va chez toi, ça va être... Non, que les autres, c'est pas la bamboutée. Moi, je n'en parle plus parce que eux, c'est ci, cela. En fait, c'est vraiment... C'est en fait, pour moi, je disais, il faut vraiment remonter aux parents parce qu'en réalité, les enfants, moi, j'aime bien la philosophie, l'homme n'est pas foncièrement mauvais. Moi, je parle du principe que l'homme n'est pas foncièrement mauvais. Il y a du bon dans l'homme. On lui met des bonnes choses en lui, en l'homme, en la femme, en l'enfant. Elle est capable de produire des bonnes choses. Mais si on y met des mauvaises choses, il ne faut pas s'étonner que demain, ça puisse se reproduire. Et pour moi, pour dire la solution, parce que je parle du problème, il ne faut pas... La solution, je dirais, pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est pas
mais par la prière, aussi par une certaine délivrance. Parce que quand on parle de polygamie, on parle quand même d'un quelque chose qui n'est pas simple. Au-delà même du physique, c'est spirituel. C'est-à-dire, il faut aller au-delà du fait que on donne l'amour. Il faut y joindre à l'amour la prière. Il faut joindre à la prière des vraies prières de délivrance qui feront que ce lien-là ne puisse plus se reproduire en fait dans la famille. Exactement. Parce que si ça reste après, bah, les générations ont le même schéma qui. Et comme je disais tout à l'heure, c'est le même schéma qui se reproduit, mais dans un autre sens peut-être. Dans une certaine forme, bon, moi j'ai engrossé, j'avais pas de femme, mais j'ai engrossé elle. Moi je me suis mariée, mais dehors, oui, j'ai pas forcément deux femmes, mais je trompe ma femme. C'est plusieurs formes de polygamie, comme tu le disais, mais c'est un lien qui vient d'en haut, et si le lien n'est pas coupé, bah, on ne sort pas du problème. Le problème, c'est de génération, et la même haine se multiplie, et puis ça fait des familles, malheureusement, divisées, et voilà. Non, non, tu as bien parlé. Merci, tu n'as pas trop parlé, tu as bien parlé, tu as dit l'essentiel. Merci, merci beaucoup. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que Yapati a dit. Oui. C'est vrai. Je voudrais saluer notre bien-aimé, la grâce divine. Que Dieu te bénisse, maman. Oui, je voulais en tout cas partager ce direct parce que nous tous, nous sommes concernés. Yapati vient de dire quelque chose où il y a Laura. Tu peux aimer, par exemple, le cas de. Moi, je connais une famille, une famille où le papa avait beaucoup de femmes. Et l'un des enfants de la troisième ou la quatrième, le quatrième lit, a dû commencer à faire des fétiches. Mm-hmm. Il a commencé à faire des fétiches et ça s'est su comment? Par la prière. Et l'enfant, finalement, on lui a posé la question, pourquoi tu as fait ça? Elle a dit, non, je fais ça parce que j'aimerais que quand le papa meurt, que ce soit moi qui soit l'héritier. Alors que le garçon a trouvé des aînés devant lui. Et qu'est-ce qu'il a encore fait? Elle a dit, non, parce que du coup, sa maman était morte. Elle a dit, puisque ma maman est morte, j'aimerais aussi que cette maman-là, elle meure. Comme ça, nous tous, nous allons... Manquer. Alors que la maman là les aimait, les aime encore. Voyez comment la méchanceté peut avoir des racines. Des fois, tu peux faire des choses, mais la personne, il n'y a rien à faire. Donc, il y a l'amour, oui, la prière, oui, la prudence aussi. Et puis, par la prière, qu'on peut savoir quelle direction avec l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes des chrétiens, nous parlons en tant que chrétiens, que l'aide du Saint-Esprit pour nous aider, comment faire pour essayer de rester dans l'histoire. Mais c'est un problème vraiment qui vient des racines, des racines. Voilà. Henriette Mampouya, ma petite sœur, mère Bip. Mère Bip. Fanny Babaka, bonsoir. Bonsoir, maman Fanny Babaka, bonsoir. Mmh. En tout cas, toutes les interventions, c'est vraiment important, important que vous puissiez parler. Vous savez... Je voulais rebondir sur un fait. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Excuse-moi, pardon. Non, c'est pas de ta faute. Je voulais dire tout à l'heure que parfois vous pouvez passer un temps où les choses sont calmes. Oui. Et comme on a semé des choses qui ne sont pas bonnes, un jour ou l'autre, cette semence-là va produire. Elle va produire du mauvais fruit. C'est ce que papa dit, guérir des blessures de l'âme et les frustrations. Car un blessé blessera. Ah, papa Patou. Ah, ah ça c'est... Il faut guérir les blessures de l'âme et les frustrations, car un blessé blessera. C'est trop beau. Oh, c'est bien dit. Ça, papa Patou, est-ce que tu me permets de... Est-ce que tu peux m'écrire ça? Et je vais mettre ça sur Facebook. Il faut guérir les blessures de l'âme et les frustrations, car un blessé blessera. Oh, c'est trop beau. Tu vois pourquoi j'aime la causerie morale? Parce que les gens parlent, les gens se lâchent. Et je vais citer ton nom, hein, donc je ne vais pas dire que ça vient de moi. Non, mais sincèrement, ces choses, c'est des choses qui font que on sème. Ouais. On sème aujourd'hui et puis on laisse les autres récolter. Ah, oui. Récolter quoi? Le fruit de la mauvaise sémence que nous avons semée.
un blessé est une arme à double tranchant. Oh, oh, oh. Oh là là, oh là, oh là, oh là. Maman oh là, Marie, oh là, écris-moi oh là. Ça aussi. Je vais mettre ça sur Facebook et je vais te citer. Non, ah. Mais c'est fort, c'est fort, c'est fort. Maman, c'est fort. Bon, bon, l'auteur de cette racine, c'est le père. Ah. Mais c'est vrai? C'est vrai, parce que s'il n'avait pas épousé, s'il avait pas épousé des femmes, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes-là. Hey. Hey. Maintenant, on veut regarder ça. On veut regarder ça. Ce que nous voulons, c'est trouver des voies et moyens. Pour des avancer. Solutions, ça c'est vrai. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Vous savez, moi, de tout ce qui est dit là, c'est des choses que j'ai vécues. Je les ai vécues en regardant mes oncles paternels et mes tantes. Ah. Pourquoi? Parce que mon tocard de grand-père là, le grand-père paternel là, oui. Il avait 7 femmes. Ah! Non, il avait 8 femmes. Oh! 8. Il était humain. C'était un chef coutumier, il avait 8 femmes. Oh, normalement, poste-toi. Oui, il était comme moi, t'inquiète. Voilà, si tu veux tout savoir. Oh, Seigneur. Tu me connais, non? Oh, bien. Voilà, il était comme moi. Mais oh, seulement, okay. Moi, je n'ai pas eu 8 femmes et je n'ai pas eu autant d'enfants que lui. Mais il y a un proverbe de chez nous non, qui dit que c'est là Babong ou je ne sais pas quoi là. Oh, faux Lucas. Ben voilà, ça veut dire quoi? Oh, non, Marie, tu as plusieurs pour mourir vite. Ah, ben oui. Bon, maintenant le gars, mon grand-père là, il avait 8 femmes. Oh non, de bleu, de écoute, bleu, de bleu. C'est pas terminé. La mère de mon père. Ma grand-mère paternelle était la 7e femme. Oh, po. Elle n'était même pas la première femme. C'est pourquoi, dans une série de prières qu'on faisait, dans une série de prières qu'on faisait, mon grand frère faisait tout pour qu'on revienne à la source et qu'on coupe ces liens-là. Ah oui, bim. Qu'on coupe ces liens-là. Tchao. Mais maintenant, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que entre notre père et tous ces frères qui étaient ces demi-frères, s'il faut parler selon la culture occidentale, ces demi-frères et ces demi-sœurs-là, eux tous, ils privilégiaient le fait d'être les fils et les filles d'un même père. Mais néanmoins, il y avait toujours des choses qui ressortaient pour dire ça, c'est les fils de Bacchini, ça, c'est les fils de Lupetu, ça, c'est les fils de tel, ça, et c'est les filles de tel. Ça amène tel, la tel, sorcellerie tel. Dans ces genres de choses-là. Et il y a toujours quelqu'un qui paye pour tous. Ah oui, ah ben oui. Attends. Ce sont les conséquences qui découlent de la polygamie. Ah oui, oui, maman. Oui. Donc, le tocard, lui, il est mort avant. Voilà, mais il a laissé la famille dans M. Dans la M. Et puis maintenant... Celui qui a eu la possibilité d'étudier, c'est mon père. Et il a fait le bonheur de tous ses frères et sœurs. C'était maintenant lui qui n'était pas fils aîné. Il était fils aîné chez sa mère, mais pas chez son père. Mais comme lui, il avait étudié, il était considéré un peu comme un blanc, comme un civilisé. Il devait prendre soin de tous les autochtones de ses grands frères et grandes sœurs-là. Mais même s'il était respectueux, mais c'était le pilier de la famille. Oui, mais malgré ça, on sentait toujours des choses qui se faisaient, qui se disaient, qui à la fin, on a trouvé que non, le fauteur de troubles, c'est le grand-père là. Ben oui, c'est lui. Et si on veut rentrer maintenant dans la hiérarchie de la légitimité, nous, en tant que petits-fils, découlant d'une 7e femme, on peut prétendre à quoi? Rien. Dans la hiérarchie de la légitimité, non. Selon l'arbre généalogique et tout ça. Dans la... Tu vois? Dans la quoi? Laisse tomber. C'est pour ça qu'il faut se réfugier en Christ. Ah oui. Frères sœurs, réfugions-nous en Christ. En Christ. Tout à l'heure, j'ai partagé quelque chose. Je ne savais pas que ça allait avoir trait avec ce que nous disons ce soir. J'ai dit ceci. Kindoki et Kindeko. Ces deux mots sont à la différence près d'une voyelle. Kindoki. Dans un mot, il y a le O. Kindoki. Dans l'autre, il y a le E. Donc, Kindoki. La sorcellerie. Et Kindeko, la fraternité. La fraternité, mais on dit là, c'est... Ouais, c'est tout ça près, rime. Là. Oui. Ndeko, Ndoki. Ndeko,
c'est tout, c'est tellement proche. Ouais. La frontière, elle est infime. Elle est infime. Tu vois, Kindeko, Kindoki. Ouais, la frontière, elle est vraiment... La proximité de ces deux mots-là doit nous mettre sur nos gardes. Ouais. Et c'est ce qui fait que, pour mettre une bonne barrière entre tout ça, il faut être dans le sein de Dieu. Ah. Parce que c'est Dieu qui t'amuse, c'est Dieu qui fait des bonnes choses. Tu vois? Pas donc, seulement c'est... Dieu comme ça, mais avoir une intimité avec le Seigneur. C'est à propos de ces choses que nous parlons. Ah oui. Il nous est arrivé dans certaines familles, quelqu'un te dit... Pasteur, nous, notre conflit là, donc ils refusent, ils vous disent, notre conflit là, je crois que même Jésus ne peut pas le résoudre. Ah oui, je me rappelle. Ouais. Il te dit, notre conflit là, même Jésus lui-même ne peut pas le résoudre. C'est. Parce que si Jésus était là, mes frères là et mes soeurs là, l'auraient encore crucifié de nouveau. Tu vois, dans quelle dimension la personne se trouve. Triste. Tu vois, c'est triste. Là, dans quelle dimension? Maintenant, ces gens-là ne se parlent pas, leurs enfants ne se parlent pas, chacun a son fan club et leurs fan clubs sont devenus comme des gangs. Des gangs. Ils ne se parlent pas, ils s'envoient des pics. Maintenant que Internet est venu mettre son grain de sel dans les relations des gens, oui. Toi, Internet, là, tu es vaincu au nom de Jésus. Nous t'utiliserons seulement pour prêcher la bonne nouvelle et pour semer de bonnes choses dans le cœur des gens. Je te dis merci. Bon shalom, maman Anne-Marie. Merci d'avoir partagé le direct ce soir. Que Dieu te bénisse. Vraiment partager. Ce direct peut sauver quelqu'un, bien aimé. Donc, nous parlons de comment aider spirituellement une fratrie issue de plusieurs lits. Dans une famille, un papa avait trouvé une stratégie. Oui. Il avait déjà le je ne sais pas dire si c'était le tort ou la raison, parce que ça ne relevait que de lui. Il y a des gens à qui on a fait croire que la polygamie était un signe de richesse. N'importe quoi. Il y a des gens... Dans le temps, hein? Oui, dans le temps, hein? À qui on a fait croire ça. Ouais, et que quelqu'un qui était pauvre, il était fidèle à sa femme. Dès qu'il a vu, il a vu clair dans les finances... Il a dit, il faut qu'il montre aux gens que lui, il a l'argent. Il a commencé à épouser d'autres femmes. Tu vois? Donc, mais maintenant, si on dit, parce que je ne veux pas trop faire de la causerie morale un débat biblique. Non. Nous traitons les faits des sociétés, mais nous essayons un peu d'apporter un encadrement par rapport à la Bible. À tout le monde, oui. Mais dans la Bible, il est dit, quand Dieu a créé, Dieu n'a pas donné deux femmes à Adam. C'est ça. Même si les... Et puis, et tous ces gens-là, quand ils veulent parler des choses de polygamie, vont te dire, Salomon avait 700 femmes et 300 concubines, donc on peut compter jusqu'à 1000. Mais qu'est-ce que ça a rapporté au règne de Salomon? Ah, il est mort comment? La seule chose que Salomon nous a apporté de bien, c'était sa façon de faire les choses avec Dieu. Mais par rapport à ces femmes-là, qu'est-ce que Salomon nous a apporté de bien? Même David, son grand... Qu'est-ce que Abraham nous a apporté de bien par rapport à Agar et Sarah? Ah, la guerre, elle est là jusqu'à aujourd'hui. Hein? Mais quand Dieu crée l'homme, Dieu n'apporte pas deux femmes à l'homme. C'est ça. Dieu apporte une seule femme. Et quand Joseph va épouser Marie et que Joseph commence à bouder parce qu'il a appris que Marie était enceinte, il voulait partir, il allait partir où? Pour épouser une autre femme. C'est ça. Jusqu'à ce que Dieu l'arrête et dise, non, Joseph, cette histoire-là, moi je suis là-dedans, reviens par ici. Dieu n'a pas donné de femme à l'homme. L'homme qui t'aira. Je ne tire pas de conclusion. Dieu n'a pas donné de femme à l'homme. Et quand on regarde dans la Bible, on dit, Maman Chantal, mon petit, bonsoir. Maman Chantal, osons-y déjà. Et quand on dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. À ça. Et il, pas à ses femmes. Pas à ses femmes. À sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Une. Et de cette seule chair-là, pourront naître les enfants. C'est ça même qui est la vérité. De cette seule chair-là, pourront naître les enfants. Et là, vous avez,
Vous n'avez pas plusieurs chats à fouetter, vous n'avez pas plusieurs... Même si les enfants entre eux peuvent, ils auront des caractères différents. Merci. Ils auront des ADN différents, ce qui est tout à fait normal. Mmh. On a aussi vu des enfants nés d'un même père et d'une même mère se déchirer, s'entretuer et se vouloir même la mort. Ah oui, hein. On a vu ça. Ah oui, hein. Donc, on ne veut pas dire que les gens, les enfants issus de la monogamie sont les meilleurs, ils sont sans tâche, ils sont sains, ils sont... Non. La jalousie, la mauvaise foi, la haine, ça, c'est partout. Mais seulement, la société se pourrit davantage avec les problèmes des enfants issus de la polygamie. C'est ça. 1000 femmes, 1000 divinités. La peur oh, des Seigneur. Mais c'est Seigneur. Oh Seigneur, au secours. Donc, maintenant, nous, Patty Lisa, bonsoir. Que Dieu te bénisse, maman. Nous, maintenant, notre rôle dans cette histoire, nous soulevons ces choses pour que nous puissions échanger. Comme toutes les intervenantes. Je suis vraiment. Bon, j'ai vu les commentaires de papa Patou Ilumbe, qui est un homme, et papa Patrice. Aussi, qui a commenté. Bon, le sénateur nous a dit bonsoir. Généralement, dans nos choses ici, les hommes n'interviennent pas beaucoup. Papa Mathieu Mikos, Chamboui, bonsoir. Ah, bonsoir, Bokilonanga. Donc, vous voyez, dans ces choses-là, il y a quelque chose qui fait que les différences... Voilà. Joseph aurait pu partir Jésus, notre femme. Le mariage avec Marie n'était pas consommé. Mais Dieu est intervenu à temps. D'accord, c'est vrai, mais c'est pas le débat. C'est vrai ce que tu dis, papa Pi, c'est vrai. Mais pourquoi Dieu a voulu que Joseph revienne, même si le mariage n'était pas consommé? Dieu a voulu que Joseph revienne, pourquoi? Parce que Dieu est resté dans la logique d'un homme et une femme. C'est ça. Et pour dire à Joseph que non, toi reviens parce que moi, la bénédiction va entrer dans ta maison. C'est ça. Et comme Joseph était un homme bien, Dieu a voulu faire participer Joseph à cette bénédiction-là. Bonsoir, pour que Joseph, maman Antomiezi. Oui, pour que Joseph aussi soit le père nourricier de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une parenthèse. Merci, papa Pi. J'aime beaucoup quand on échange avec toi, ça me fait beaucoup de bien. Toi-même, tu sais. Maintenant, les gens-là, les enfants, la fratrie issue de plusieurs lits-là, il faut les aider spirituellement et les pistes ont été données ce soir. Les pistes ont été données ce soir et j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que on n'a pas seulement donné que les pistes, on a aussi donné des exemples de réussite. Dans ce qu'on est en train de dire. Moi, j'ai vu un père qui a vu qu'il avait déjà mélangé les choses. Maintenant, ses enfants, comme les plus grands, devaient s'occuper des plus petits. Alors, il faisait quoi? Chaque fois que l'enfant du deuxième lit ou du troisième lit arrivait avec un problème, il appelait l'aîné du premier lit. Il disait à ses enfants, votre responsable, c'est lui. Allez vers lui, qu'il règle votre problème. Et puis, il parlait à ses enfants-là, à ses aînés-là, pour leur donner un sens de responsabilité. Ah, c'est ça. Il parlait aux aînés pour leur donner un sens de responsabilité par rapport à leurs petits frères, par rapport à la suite de ses enfants. Et à travers ça, les enfants ont commencé à s'aimer. Bon, comme partout, il y a toujours un mouton noir quelque part qui va venir mettre le désordre. Il y a toujours quelqu'un. Les enfants de Jacob sont un très bon exemple. Exactement. Tu vois? Donc, mais si déjà au niveau des enfants de Jacob, les enfants de Jacob, au niveau des enfants de Jacob, on regarde ce qui s'est passé. Pauvre Joseph. C'est ça. C'était les enfants de son père. Exactement. Et déjà, Jacob lui-même et son frère, pourtant, de même père et de même mère. C'est pour ça qu'il faut casser les liens là. Merci Jésus d'être venu. Il faut casser ces choses-là. Pour éviter que nos enfants puissent vivre ce genre de choses, ce genre de difficultés. S'ils peuvent éviter ce genre de choses, ça serait une bonne chose. Nous avons parlé ici, les gens ont évoqué l'implication, la mauvaise implication de la,
de la famille élargie. Oui. C'est pourquoi je disais que ces enfants-là n'ont pas demandé à naître. Ce sont des victimes. Des victimes, quoi? Ils vont relayer des mauvaises choses qui peut-être ne leur ont pas été enseignées comme ça, mais qui sont dans leur gène. Ah. Maman MC Eve, bonsoir. Bonsoir, maman. Tu connais? Non. C'est maman Patinadé. Ah, mais oui. Ah, y'a Eve. Bisous. Donc, parfois, c'est des choses qu'on n'enseigne même pas aux enfants. Ah. Mais c'est dans leur gène. Un jour, ça se reproduit. Ah. Maintenant, si on n'a pas pallié à ça, au moyen de la parole de Dieu, au moyen d'une bonne conversion. Une bonne conversion. Une bonne conversion, frère. C'est important, ça. Bonsoir, maman Chantal. Bonsoir, maman Chantal. Elle m'a appelé tout à l'heure. Maman Chantal, Nzobe ne tombera jamais, quoi. Nzobe, c'est le rue à Bandal. Oui. Moi, j'ai vu un homme de Dieu, issu d'une famille polygame. Oui. Maintenant, leur père, qui était dans le diamant, oui. Quand il a eu ses problèmes à la fin et qu'il allait mourir, il savait, il sentait sa mort arriver. Il a réuni ses enfants. Il leur a dit deux choses. Mes enfants, je vous ai eu avec des mamans différentes, mais vous êtes mon sang. Ah, oui. Je vous aime. Je vous aime de la même manière que j'ai aimé vos mamans pour pouvoir vous avoir avec vos mamans là. Je vous aime. Salut, Yama Jolie. Bisous, bisous. Tu me manques. Oui. Vous aussi. Oui, papa, puis on va aborder ce volet-là. Vous aussi, aimez-vous. Aimez-vous comme moi, votre père, je vous aime. Ça, parce c'est que le papa. Vous portez tous mon sang. Mais je vais vous laisser deux règles dans la vie. La première règle, ne touchez jamais au fétiche. Ah oui. Moi, si je suis en train de mourir comme ça, c'est parce que j'ai voulu m'enrichir en touchant au fétiche. Oh. La deuxième chose, moi, je vous ai eu dans la polygamie, mais ne soyez pas polygame. Ah. C'est ce papa-là qui laissait comme testament à ses enfants. C'est papa-là qui laissait comme testament à ses enfants. C'est pour dire qu'il y a certains qui se rendent compte après qu'ils ont eux-mêmes créé des brèches pour faire entrer la haine, pour faire entrer la jalousie dans le foyer, pour faire entrer des mauvaises choses, la sorcellerie. Et ce que papa Pie évoque ici, que nous ne devons pas oublier le lien héréditaire. Le problème ne vient pas seulement du père. Oui, c'est vrai, le problème ne vient pas seulement du père. Mais le père, là, quand il va prendre une deuxième femme, il ramène tous les démons de chez la deuxième femme, là, de son lien héréditaire aussi. Alors, au-delà de gérer le lien héréditaire de sa femme légitime, la première, là, il va gérer le lien héréditaire aussi des bureaux. Multiplié. Et le bureau, là, normalement, normalement chez nous, la deuxième, la troisième, la quatrième bureau ne va pas rester comme ça. Elle va aller chercher des fétiches pour qu'on l'aime, elle, et qu'on aime aussi ses enfants. Tout ça, ça se complique. Maman Marie dit que les hommes apprennent à rester fidèles à leur femme afin d'éviter de créer les brèches dans les foyers. Exactement. Bon, maman, vous savez, certains hommes aussi ont trouvé raison à dire que non. Cette femme, à cause de son comportement, à cause de bon, parce que, oui, moi, par exemple... Le problème est de deux côtés. Oui, moi, par exemple, je veux vous dire que ma tante maternelle, là, que tu connais bien d'ailleurs, tu l'as déjà vue, elle est décédée dernièrement. Ma tante maternelle, là, c'est un ange. Ça, je peux dire. Tu as vu, hein, tu as entendu ce que maman Chantal a dit? Oui. Elle rejoint ce que tu as dit. Oui. Avant de mourir, il regrettait d'avoir été polygame. Il n'y a pas joli. Un bandit. Il y a pas de la rakaka. D'abord, Akiminga Nanou. Akiminga Yi. Ma joli, Okimibiso, ce n'est pas gentil de ta part. Je t'expose devant tout le monde à Facebook. Moi, Akimi, ma parent. Ma joli, reviens à la maison. Hein? La fille prodigue, reviens à la maison. Donc. Ma tante, là, c'était un ange. Et puis, elle a eu de beaux enfants. On se pose la question, pourquoi papa est allé épouser d'autres femmes? Mais c'est la question que je veux poser. Même si aujourd'hui, avec les enfants de ces femmes-là,
Tellement nous avons grandi tous ensemble, oui. Nous avons développé les mêmes choses. Oui, oui. Tu ne peux pas savoir que ce sont des enfants des rivales. Mais ça, c'est vraiment... Tu ne peux pas savoir. Pourquoi? Yes, à cause de... Papa Patti, Papa Patou. Ah non! Que Dieu te bénisse! Oh, Maurice est vicieux! Non, vous savez, je vous aime beaucoup à la causerie morale. Ah, ça c'est clair. Attention, regarde-le. Oui, ça va vite. Aujourd'hui, on fait 2 heures, on arrête. Donc, dans 18 minutes, on arrête. Dans 18 minutes, on va finir là. Je vous aime. Vous savez, je vous aime tellement, je vais vous dire une chose. Je vous aime tellement que aujourd'hui il y a match. Hein. Le Paris Saint-Germain joue. Présentement, là, ils sont en train de jouer. Tes amis. Mais je trouve que vous, là, vous êtes plus important que le match de Ligue des Champions. J'ai la télé, elle est là. La télé, elle est là. Mais comme j'ai le replay, je regarderai le match tout à l'heure après. Mais je vous donne d'abord la priorité. Pourquoi? Parce que vous vous construisez. Parce que vous... Vous bénissez les gens avec vos interventions. Amen. Papa Pile dit, si la polygamie de la famille vient de plusieurs générations. Si la première pousse le père à aller vers une deuxième. Je parle du lien. Voilà pourquoi je parle du lien héréditaire. Oui, papa, le lien héréditaire, il est tu sais, parfois, ça vient du côté de la maman aussi. Hein? Ça vient du côté de la maman aussi. Nous aussi, on avait fait... On avait grandi ensemble, mais plus tard, bisalélié. Mais c'est ce qu'on a dit là. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, à un moment, vous avez une lune de miel. Ouais. Ah, mais après, les mauvaises semences là produisent maintenant. Parce que, vous savez, vous regardez un arbre en train de fleurir. C'est le printemps. Hein? L'arbre fleurit, vous voyez les fleurs, les feuilles. Le feuillage est tout beau. Exactement. Tu vois, le feuillage est tout beau. Mais avant que ce feuillage-là n'arrive comme ça, il y a l'époque où toutes les feuilles tombent. Ah. Il faut savoir supporter. Quand tu as semé là, sache qu'il y a des saisons. Maman Marie, le coup de pelle au cause. Donc, dans ce siècle présent, nous devons aider les enfants et... Moi, je le dis parce que moi-même, j'ai ce devoir-là. Pour pouvoir montrer à mes enfants que, voilà, vous avez un grand frère d'un autre lit, mais c'est votre frère. Exactement. Et je dis toujours à mon enfant, fais en sorte que tes enfants ne reproduisent pas les erreurs que moi, toi et moi, nous avons commises. Tu vois? J'ai toujours dit ça à mon fils, il dit, ne reproduis pas mes erreurs. Parce que notre postérité, j'ai été peut-être fautif, mais notre postérité ne mérite pas d'être pourrie parce que moi j'ai été fautif. J'ai pris conscience de ça, j'en parle ouvertement pour que toi tu puisses réparer derrière moi. Tu vois? Donc, c'est important ce que nous sommes en train de dire ici. Il y a aussi, comme je parlais de polygamie passive, là, je parlais de polygamie passive. Bon, il y a déjà dans certains foyers où le père est décédé, la mère s'est remariée, elle a eu d'autres enfants, ça a créé des problèmes. Il y a des foyers où la mère est décédée, le père s'est remarié, il a eu d'autres enfants, avec les enfants de la défunte là, après les choses ne marchent pas bien, nous on nous fait souffrir parce que notre maman est morte, tout ça. Mais, et pourtant, ce n'était pas, une polygamie. Cette polygamie passive-là n'était pas voulue. Ce n'est pas voulu. Donc, c'est important qu'on se dise ces choses ici. Moi, parce que nous tendons vers la fin, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les interventions qui ont été faites ce soir. Est-ce que tu peux nous rappeler la première intervention? C'était celle de maman... Maman Julia a parlé de l'amour. Elle a parlé de l'amour. Elle a parlé de l'amour. Il faut traiter les enfants avec amour. Il faut avoir un grand cœur, malgré tout ce qui peut se passer. Voilà. Et maman Marie Dienga a insisté sur la conversion. Oui. Il faut que les gens se convertissent, soient vraiment chrétiens, qu'on arrive à convertir les enfants et à les nourrir vraiment de la parole de Dieu. S'aimer en eux la parole de Dieu parce qu'elle portera du fruit.
du bon fruit. Maman Nana Samoura, bonsoir, que Dieu te bénisse. Oui. Bon, excusez-moi, chez nous, on a grandi avec l'habitude d'appeler les femmes maman. Oui. C'est pas respect, c'est pas, on ne veut pas vous mémériser ou vous faire vieillir, non. Non, parce que c'est pas respect. Ouais, une jeune fille, on l'appelle maman, juste par respect. C'est ce que Mobutu nous a appris. Oui. Et c'était bien. Oui. Et puis, il y a eu l'intervention de Laura, oui, qui a donné un exemple de l'amour qui a été semé par leur maman, mm-hmm, qui a pu porter du fruit dans le futur. Et puis, il y a eu l'intervention de Yapati. Yapati qui a parlé aussi, qui a montré que, voilà, on peut d'un côté donner l'amour, mais s'il y a le rejet là, le rejet qui vient de l'autre côté, il faut toujours savoir compenser des deux côtés. Et puis, Laura avait épinglé une chose par rapport à l'implication, l'implication et l'ingérence de la famille élargie. Les oncles, les tantes viennent mettre leur grain de sel dans l'histoire et ils pourrissent la vie des enfants. Bon, bien aimé, on a déjà vu une fille qui a été récoltée, je dis bien récoltée, récupérée par sa belle-mère à la naissance, à la maternité, c'est-à-dire au moment où elle naissait, sa mère est décédée. Ouais. Et c'est sa belle-mère qui l'a élevée. Et elle l'a élevée de telle manière que personne ne pouvait savoir que c'était l'enfant d'une rivale. Elle-même, elle a grandi jusqu'à sa maturité. Elle savait que c'était sa mère. Oui. Jusqu'au jour où une tante l'a appelée pour lui dire que non, celle-là que tu appelles maman, là, c'est pas ta mère. C'est pas ta mère. Et elle va aller jusqu'à lui dire que c'est elle qui a tué ta vraie mère. Vraiment. Mais seulement, dans le chef de cette fille-là, elle a eu un choc. Elle a souffert. Elle en a souffert beaucoup. Mais elle a regardé le comportement de celle qui l'avait élevée. Elle n'a pas trouvé de différence avec ses propres enfants. Elle a trouvé beaucoup d'amour. Elle n'a pas trouvé des points sur lesquels elle pouvait reprocher des choses à ce moment-là. Finalement, elle a fait une crise pendant un moment, mais un petit moment. Et puis, elle est revenue dans de bonnes grâces. Elle est revenue auprès de sa maman-là. Et elle a continué à lui vouer le même amour et à vivre bénie par sa belle-mère-là. Donc, c'est pour dire que dans nos familles-là, si tu as déjà un penchant, toi, tu viens, tu commences à influencer les enfants de ton frère ou de ta sœur, et puis à les diviser. Tu commences à diviser les enfants. Maman Bernadette Bena, bonsoir. Bonsoir, maman. Tu commences à diviser les enfants de ton frère ou les enfants de ta sœur. Tu leur montres les différences. Non, vous êtes de tel, et vous êtes de tel, vous êtes de tel. On ne les aide pas, on est en train de détruire. Bonsoir, Navia Veda. Bonsoir. Oui. Vous voyez, on est en train de détruire. Notre thème de ce soir, c'était comment aider spirituellement une fratrie issue de plusieurs lits. Oui. Cela veut dire comment aider spirituellement les enfants issus de la polygamie. Sans parler de la polyandrie. Bon, c'est du pareil au même, c'est le sens inverse. Ouais. Les conséquences sont les mêmes. Ah oui. Les retombées sont les mêmes. Les gens vont vouloir faire ressortir la différence. Qu'est-ce qui va vous différencier? Mais on a aussi vu, tout n'est pas à jeter. On a aussi vu des enfants issus de plusieurs lits qui se sont réellement aimés. Oui. Qui se sont portés. Oui. On a vu un grand frère faire marier son petit frère d'une autre mère. Ah oui. S'occuper de lui, payer ses études, oui, faire de lui un grand monsieur. Et lui aussi, quand il grandit, il prend le relais, il prend les enfants de son grand frère. Et ces enfants-là ne l'appellent même pas tonton, ils l'appellent papa. Pourquoi? Parce que lui, il a repris le flambeau. La façon dont il marche comme si c'était leur vrai père biologique. Et cette image magnifique qu'on a vue de la fille, de la deuxième maman, qui s'est mariée, et comme le papa n'était pas là pour la faire entrer à l'église, c'est le garçon
de la première femme qui l'a fait entrer. Tu te rappelles? C'était beau. C'est le sang. C'était beau. C'est une histoire de sang. C'est une histoire de sang. C'était beau. Regina Mbonga, ma grande fille, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Salut à Rachel. Hein. J'ai entendu qu'elle est là-bas chez nous à Kim. Donc. Fais-lui des bisous. Donc, vous voyez, ces histoires-là, on peut, là où on a fauté, on peut toujours chercher à réparer. Et ce qui peut réparer, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour. L'amour, le vrai, couvre une multitude de péchés. C'est vrai. Oui, la polygamie a déjà été faite. Mais derrière, comment pouvons-nous réagir? Parce que ce qui est fait, est fait. On ne peut pas jeter ces enfants-là. Non, non, non. On ne aucunement. Peut pas jeter ces enfants. Aucunement. On ne peut pas dire non, vous, parce que vous êtes issu de la polygamie, vous êtes condamné. Condamné par qui et par quoi? Pourquoi Dieu a laissé ces enfants-là naître? Ils n'ont rien demandé. Les enfants issus de la polygamie, là, ils n'ont rien demandé. C'était un temps de bisengo, de papa et maman, et puis ces enfants-là sont venus. Certains sont voulus, d'autres ne sont pas voulus, mais ils sont là. Si Dieu a permis que ces enfants-là naissent, ils sont là. Maintenant, aider ces enfants-là, aider-les à pouvoir emprunter un bon chemin, à aller dans une bonne direction et à pouvoir recadrer les choses, refaire les choses à leur tour d'une manière convenable. Voilà ce que nous demandons. Moi-même, là, je suis en train de prier encore pour que l'esprit de polygamie sorte de ma famille au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, de toutes nos familles. Il faut prier pour cela. Faut que moi, là, avec, bon, parce que je peux pas tenir rigueur à un homme mort. Et puis, le gars, il est parti avant, je ne l'ai pas vu. Parce que s'il l'avait vu, je l'aurais peut-être giflé. Mon grand-père, là, hein, c'était un chef coutumier, mais il avait 8 femmes. Ciao! Et ma grand-mère maternelle était 7e femme. Ciao. Qu'est-ce qu'elle devait revendiquer par rapport aux autres, aux 6 qui étaient devant elle? Et cette semence-là, c'est rentré dans combien d'enfants et dans combien de petits-enfants? Dans combien? Aujourd'hui, heureusement que Christ est là. Yes. Heureusement que Yeshuayaki. Heureusement pour nous autres là, que Christ est venu. Tu vas du côté de ma mère, tu trouves le grand-père était polygame. Mais nous, on a vécu avec des oncles maternels à la maison. Mais qui n'étaient pas du même lit que ma mère. Mais c'était nos oncles maternels. Nous, on nous a appris à les aimer, à vivre avec eux comme ça. C'est ça. Mais c'est combien de liens héréditaires qui sont semés là? Beaucoup. Beaucoup, surtout du côté de mon père là. C'est beaucoup. Des portes ouvertes. Donc, il faut faire en sorte que, comme j'ai donné l'exemple de cet homme d'affaires là qui mourait et qui a dit à ses enfants, je vous laisse deux lois. Ne touchez pas au fétiche. N'entrez pas dans la polygamie. Parce qu'il a vu comment la polygamie a détruit son foyer. Et au moment où il était malade, où il avait besoin de tous ses enfants, les clans de ses femmes s'entretuaient. Et il n'a pas survécu à ça. C'est lui-même qui était à l'origine. Et pourtant, quand il est entré dans la polygamie, là, c'était pour montrer aux gens que lui, il a les moyens, lui, il a l'argent. Tu vois? C'est on ne peut pas utiliser l'argent dans de mauvaises conditions. Bon, on peut investir. On peut... Et tous ces gens qui nous ramènent les histoires de la Bible, là, de dire que les patriarches de la Bible avaient plusieurs femmes. Oui, regardez dans les patriarches de la Bible qu'il y avait plusieurs femmes là. Qu'est-ce que ça a fait? Il y a eu beaucoup de dégâts. Quand l'enfant de David va prendre les concubines de son père, absolument. Et va faire tout ce qu'il a fait là. Hein? Il va le faire sur le toit, tout ce qu'il a fait là. Vous voyez dans quelle sorte de pétrin la polygamie a amené les gens. Alors vous sortez ça, vous nous ramenez ça comme des arguments pour la vie d'aujourd'hui. Déjà, avec les enfants d'une seule femme, vous ne savez pas les gérer. Vous voulez gérer les enfants de plusieurs femmes. Frère, gardez votre virilité. Hein? Mettez votre virilité dans une seule direction, dans un seul domaine. Ça va vous aider. Et puis, nous ne sommes plus à l'époque où il faut mettre trop d'enfants au monde. Non, mon frère. Oui, c'est justement. Il y a un pasteur qui a épousé 13 femmes. Oui, c'est et bon. Voilà. Il est pasteur à sa façon. Et puis, ce pasteur dont tu parles là, si c'est le même, c'est des pasteurs qui prient un homme.
ils se prosternent devant la photo d'un homme. Je ne vais pas m'attirer leur foudre ce soir pour parler avec eux. Ce pasteur-là, il est à côté. Ce pasteur-là, il est à côté totalement. Ce pasteur-là, il est en train de semer le désordre. Ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il dit de la Bible qui dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tous les deux, ils deviendront une seule chair. » C'est là où il parle, ces gens-là. Là, il nous ramène dans l'Ancien Testament. Il nous ramène dans l'Ancien Testament. Et quand il y a des problèmes qui sont vrais dans le Nouveau Testament, il n'en parle pas. Où est-ce qu'il va parler? Et il épouse des petites filles. Oui, je connais ce pasteur dont tu parles, maman Julia. Je l'ai vu. Des petites filles. Et puis c'est un pasteur que Roger Bacca a ridiculisé à la télé. Et puis, il s'est fâché. Il a voulu en venir aux mains. Donc, c'est des gens qui n'ont pas d'argument. Donc, voilà, nous vous avons pris 2 heures. Vous avons pris 2 heures. Vous qui avez été là, vous nous avez bénis. Oui. Merci d'avoir été là. C'était la reprise. Après beaucoup de jours, beaucoup de semaines, beaucoup de mois, où nous avions dit, nous prenons un peu du recul pour nous ressourcer un peu. Il y a eu des petites choses qu'il fallait remettre en place. Il fallait faire une petite mise à jour à côté. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Nous avons repris aujourd'hui. Comme cette semaine, nous avons fait la causerie morale, la semaine prochaine, ce sera enfin la session d'adoration. Ce sera le mercredi à 20h. La semaine prochaine. Même s'il y a match de Ligue des Champions, nous ferons notre session d'adoration quand même. En tout cas, abonnez-vous sur notre page DRK Ministries. DRK Ministries, Désir Jena Kalala, c'est sur Facebook, notre page Facebook. Yes. C'est là qu'on est en train de faire ce direct. Et puis, sur notre compte YouTube, Musée Désir Kalala officiel. Là, il y a beaucoup d'émissions. Il y a beaucoup d'émissions passées déjà que vous pouvez revoir. Et oui, papa, puis c'était un sujet délicat, mais c'était important de voir les langues se délier, voir des gens parler, intervenir comme ça. Ça nous a fortifié dans le choix de ce thème ici. C'est vraiment ça. Voilà, que Dieu vous bénisse tous abondamment. Ayez une nuit paisible, que le Saint-Esprit vous visite. Que le Seigneur réponde favorablement à vos prières. Si parmi vous, il y a des gens qui vivent encore les retombées de la polygamie, allez vous réfugier en Christ. Restez dans le sein de Dieu. Dieu est une bonne mère. Dieu est une bonne mère qui ne nourrit que de son sein, qui ne nourrit que de son lait. Et le lait de Dieu, c'est la parole. Alléluia. La parole va vous réconforter. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Même si Dieu envoie un grand prophète, le grand prophète là doit amener la parole. Il n'amènera rien d'autre. Si vous voyez des gens trop gesticuler sur les gens, faire des cérémonies, des rituels, ils ne font rien. C'est des gens là qui ont des gains sordides à côté. Mais ceux qui vous aiment doivent vous apporter la parole. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Oui, maman Tatiana Kelly, bonne soirée. Que Dieu te bénisse aussi. Et on se retrouve pour le programme hebdomadaire. On se retrouve mercredi prochain pour la session d'adoration. Soyez abondamment bénis et Dieu nous bénisse tous. Ciao. Bye.